les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un try and haul Black Friday, mais pas que, puisque comme d'habitude, je craque toujours pour 2-3 pièces qui ne sont pas soldées, hein, forcément. Mais j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses en promo que je voulais depuis longtemps. C'est vrai que j'ai pas non plus énormément d'articles, hein, vous allez voir, ça fait quand même quelques temps maintenant que quand il y a des soldes, le Black Friday ou comme ça, j'achète plus en masse. J'achète vraiment ce que je voulais me prendre depuis longtemps, les trucs vraiment coup de cœur, mais voilà, il n'y a pas non plus masse d'articles quoi. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts et du coup c'est parti. Je vais commencer par les 6 articles, il me semble, que j'ai à vous montrer de chez Zalando Privé. Donc vous connaissez sûrement le site Zalando, mais à savoir qu'ils ont également un autre site dédié aux ventes privées et qui sont uniquement mises à disposition des personnes qui sont inscrites. Si vous avez un compte sur Zalando, je crois que vous pouvez réutiliser vos identifiants pour vous connecter dessus. Et en fait, ce sont des ventes privées du coup qui sont ajoutées tous les jours. Ça va jusqu'à -75%. Il y a de grosses promos sur en fait plein de domaines et plein de marques différentes. Il y a de la mode mais aussi de l'électroménager, des trucs même maison, déco, enfin il y a vraiment de tout. Et donc j'ai reçu une carte en fait à dépenser sur le site pour pouvoir tester, et du coup j'ai essayé de varier un petit peu pour pouvoir tester des trucs ben, pas que mode quoi. Donc j'ai deux produits électroménagers à vous montrer que je me suis commandé dessus. Je vous mettrai à chaque fois les réductions dans l'écran parce que je me souviens plus de tête, mais c'était intéressant. Donc ça c'est vraiment trop cool, même pour faire des cadeau. Et du coup ce que j'ai fait pour être averti rapidement, on va dire, pour pas passer à côté des ventes, c'est que j'ai installé l'application et j'ai mis les notifs, comme ça chaque fois quand il y avait une vente qui m'intéressait, j'y allais tout de suite le matin. Donc je vais commencer par les trucs mode que je me suis acheté et ensuite je vous montrerai les deux petits trucs électroménagers. En premier, je me suis pris ce jean LTB. Il y avait une vente en fait avec que des jeans, avec un mélange de marques, dont la marque LTB qui est une marque que j'adore. C'est des jeans qui sont pas donnés de base et je trouve que la qualité est vraiment bien. Du coup, comme là c'était en promo, franchement j'en ai profité et je me suis pris celui-là. Donc il est noir, hein, je sais pas si on verra bien les détails parce que bah, il est foncé. Il est taille haute, il est assez, vous voyez, extensible, donc vraiment ultra confortable. Et l'autre petit détail qui m'a fait craquer, qui est discret, donc je sais même pas si on aura bien à voir, c'est en fait un détail lassage ici. Je vais peut-être vous montrer comme ça, on verra peut-être mieux. Mais voilà, c'est vraiment discret, c'est un petit lacet comme ça qui passe sur le bas du pantalon et je trouve que ça change un petit peu. En deuxième, je me suis pris cette jupe de la marque Naf Naf et regardez-moi cette beauté, comment elle est trop mignonne. Elle est toute pailletée comme ça avec un petit volant qui passe sur le devant comme ça en diagonale, associé comme ça à un gros pull blanc. Je trouve ça très joli et je pense peut-être la mettre pour Noël celle-là parce que je trouve qu'elle taille vraiment super bien. La matière est enfin épaisse et tout, on voit pas à travers, donc c'est vraiment chouette. Et les petites paillettes comme ça, je trouve ça trop jolie. J'enchaîne sur ces beautés, donc les chaussures, regardez-moi ça, elles me correspondent je trouve à 10 000% parce qu'il y a le côté rock avec les boucles, le zip comme ça apparent, il y a le vrai zip en fait qui se ferme à l'intérieur, mais ça c'est uniquement décoratif on va dire. Et je trouve ça, je les ai trouvées trop belles. C'est la marque Bulboxer Shoes si je me trompe pas, je connaissais pas du tout. Et super découverte, elles sont trop belles. Sur le devant, on est sur quelque chose de pointu, mais pas trop non plus. Et au niveau du talon, comme vous pouvez voir, il est assez épais. Ce qui fait qu'en fait, elles font vraiment pas mal aux pieds quand on marche avec assez longtemps. Voilà, franchement, très confortable. Donc je suis trop contente, c'est une très belle découverte. Prochain article, lingerie. Donc forcément, je vais pas vous le montrer porter, mais je vous le montre ici du coup. Il y avait une vente privée Triomphe, je crois qu'on dit comme ça. Et voilà, j'avais envie de tester aussi un article lingerie. Je cherchais un noir comme ça en fait qui fasse mi brassière mi soutif. En fait il n'y a pas d'armature hyper forte et tout. Moi perso je porte plus de trucs comme ça et vous savez c'est comme invisible sous les vêtements, il n'y a pas du tout de traces parce que c'est comme un peu découpé au laser. Je pense que vous voyez de quelle matière je parle. Et je termine par les deux articles électroménagers. Donc il y avait une vente Grundig, j'espère que ça se prononce comme ça la marque. Et en fait moi j'avais vraiment un grille-pain et une bouilloire qui dataient de la guerre. Franchement c'était des dinosaures les machins. Du coup j'en ai profité pour tester cette marque que je n'avais jamais eu encore. Franchement très bien, j'ai beaucoup aimé le design en fait, assez carré comme ça du grille-pain. J'avais un truc rond avant donc rien à voir, ça fait beaucoup plus design je trouve. Et la bouilloire pareil, je la trouve vraiment cool comme ça avec une partie transparente. J'ai mis de l'eau dedans pour vous montrer parce que regardez, pour moi c'est vraiment genre une innovation, je trouve ça trop beau.
Donc bref, voilà, c'était pour vous montrer parce que comparé à ce que j'avais avant, là c'est du design plus plus quoi. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. En plus, ça va super bien avec ma cuisine qui est donc noire et blanche. J'enchaîne maintenant avec de la paillette, donc cette jupe qui vient de chez Bershka, qui n'est malheureusement pas soldée, mais je crois qu'elle n'est pas non plus à un prix excessif. Donc voilà, je voulais quand même vous la montrer dans cette vidéo parce que ça peut toujours vous donner une inspiration de tenue de fête. Je l'ai prise en fait parce que je trouve que cette couleur un petit peu fuchsia violette, ça change carrément des sequins noirs, argentés ou blancs qu'on a l'habitude de voir dans tout ce qui est paillette pour les tenues de fête. Et pourtant moi qui suis pas vraiment couleur, j'ai eu envie de voir ce que ça donne, je l'ai commandé et en fait je la trouve trop mignonne quoi. Donc après vous pouvez l'associer avec plusieurs choses différentes, hein. Là j'ai laissé mon pull blanc de tout à l'heure parce que je trouve que ça passe et en fait elle est un petit peu en diagonale, vous voyez, elle est plus longue ici que là, mais en fait ici on a une petite partie un peu, comment dire ça, drapée. Alors maintenant on est sur quelque chose de plutôt original, mais pour les fêtes j'avais envie de le commander pour voir ce que ça pouvait rendre et j'avoue que ça passe plutôt bien. Donc c'est ce haut, hein, de chez Nastigal, il y avait moins 60% ou un truc comme ça, ou même moins 70, je sais plus, mais c'était vraiment avantageux. J'aime bien parce que ça change complètement déjà de ce que j'ai l'habitude de porter. Moi qui adore les étoiles, vous le savez, j'ai craqué dessus. Et en fait, on peut bien sûr mettre un débardeur noir en dessous ou le porter comme moi avec une brassière noire à dentelle. Ça passe aussi, tout dépend si c'est Noël, Nouvel An. Bon, on peut changer ce qu'il y a en dessous, hein, bien sûr. Les manches sont légèrement bouffantes. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des, vous voyez, des petits froufrous là, mais c'est très léger. Sur H&M, je me suis pris ce pull. Alors pendant le Black Friday, je crois qu'il y avait moins 20% sur tout le site, je sais plus. D'ailleurs, je sais même pas si au moment où je publierai la vidéo, si les promos seront toujours en ligne sur les sites que je vous présente là, je sais pas du tout. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. Et quoi qu'il en soit, moi en fait, déjà je l'avais commandé avant le Black Friday, mais je l'avais commandé parce qu'il était pas super cher quoi. Donc si jamais il y a plus de promos, je trouve qu'il est pas non plus excessif. Je crois qu'il est aux alentours des 20 €, quelque chose comme ça, et il est super beau. Je l'avais déjà mis en intro de vidéo, je sais plus pour laquelle, et je sais que vous étiez nombreuses à me dire que vous aimez bien le rendu et tout. C'est vrai qu'il est, je le trouve trop mignon en fait, les petites perles comme ça. Il est super doux sans être trop gros. En fait parfois j'aime pas forcément avoir des big pulls comme ça. Maintenant je passe à Amazon Mud, j'ai plusieurs choses à vous montrer, j'ai aussi 2-3 articles que je vous avais déjà présentés lors de précédents hauls mais qui n'étaient pas soldés à ce moment là. Donc ça c'est quelque chose que je vous ai pas encore montré, seulement sur Instagram, c'est ce sac. Alors je suis totalement fan, je cherchais un sac comme ça qui soit pas trop mou ni trop rigide, avec une forme un petit peu originale tout ça, et je suis tombée sur ce Guess. Donc c'est Guess Luxe, je trouve que c'est pas non plus excessif au niveau du prix, ça reste quand même du Guess, mais voilà, et en plus il est en promo, c'est pour ça que je vous le montre. J'espère qu'il le sera toujours au moment où je vais publier la vidéo. Je le trouve vraiment trop pratique, il y a une petite poche là, une autre poche à l'intérieur, enfin bon là j'ai mes affaires dedans parce que j'utilise tous les jours, et je le trouve pas trop grand en fait. Pour moi en tout cas c'est pile la taille de sac à main que j'adore prendre pour tous les jours quoi. Ensuite ça c'est des chaussures que je vous ai déjà montrées, mais elles sont soldées actuellement, et comme elles sont pas données je voulais vous les montrer. Alors j'arrête pas de les porter, je les trouve trop belles, moi j'adore, hein, vous savez, le côté un peu grunge comme ça, justement mélangé à un pull perlé, je trouve que ça casse le style. Et j'adore. Donc ce sont des Buffalo. Elles sont donc imperméables, hein. C'est une matière comme ça vernie avec un talon, hein, je sais pas, légèrement compensé. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Franchement c'est des pantoufles pour marcher avec. Et voilà, elles sont trop belles quoi. On va parler manteau maintenant. Je me suis pris celui-là le mois dernier. Je crois que c'est de la marque Veromoda, mais je suis pas sûre. Donc au pire, de toute façon, je vous mettrai tous les liens, hein, bien sûr, en barre d'infos. Et j'avais pas en fait de manteau de cette couleur un petit peu taupe. Il est super chaud, super doux. Bien sûr, hein, c'est de la fausse fourrure, hein. Je prends pas de vraie fourrure. Bien sûr que non. En plus, les poches sont énormes dedans. J'aime bien quand les poches dans les manteaux sont bien grandes. On peut mettre les gants, enfin, je sais pas, plusieurs choses. Voilà, si vous cherchez un manteau comme ça, sachez que y a ce modèle-là qui n'est pas super cher en plus et qui est en promo aujourd'hui. J'espère qu'il sera toujours quand je publierai cette vidéo. Toujours dans les vestes, j'enchaîne avec celle-ci que je vous ai déjà montrée dans un précédent haul, mais qui est maintenant soldée et qui tient très chaud. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous la remontrer parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut totalement porter l'hiver. En fait, elle est toute rembourrée comme ça.
en espèce de mouton. Là, je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais c'est tellement chaud. Donc c'est une Levi's, hein, comme vous pouvez voir, en jean, mais qui est version hiver en fait. Trop bien dedans, je la mets assez souvent. Et au niveau de la taille, bah, vous pouvez surtailler pour avoir, vous savez, l'effet un peu veste vintage, loose, ou prendre votre taille habituelle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là, on est sur quelque chose de très cocooning, donc c'est un hoodie de la marque Only, il me semble, toujours hein, sur Amazon Mode. Il y a marqué devant Relax, comme ça, j'avais adoré la couleur un petit peu vieux rose, nude. Et ce qui est important, je trouve, dans ce genre de pull, c'est qu'il soit en matière, vous savez, pilou-pilou, comme ça, polaire partout. Parce que je sais que c'est pas le cas de tous les pulls comme ça, parfois il y a une autre matière et là c'est vraiment polaire en fait. Donc que ce soit tout partout, même aux manches, enfin, franchement je le mets à la maison, je suis trop bien dedans. Donc si jamais vous cherchez un pull comme ça, franchement qui est chaud et qui est beau, je vous le conseille. Là, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Je ne sais pas, je pense que l'article parle de lui-même. Regardez-moi ce truc doudou quoi. Alors c'est chez Mango d'ailleurs. J'ai commandé en 2 fois et j'attends un colis qui doit arriver cet après-midi. Donc je croise les doigts pour que je reçoive le reste. En fait, c'est des bijoux et une ceinture pour que je reçoive le reste cet après-midi pour que je puisse le mettre dans la vidéo. Il y avait moins 30% je crois sur tout le site. Je sais plus exactement. Mais quoi qu'il en soit, bah, je l'ai eu moins cher et je louchais dessus depuis longtemps parce que j'adore voir ce genre de modèle vraiment très doudou là dans cette matière polaire. Oh, c'est tellement agréable. J'ai chaud les gars, je vous assure qu'il tient très chaud. Il est long jusqu'au genou, voire même un peu en dessous du genou. Et voilà, dans une couleur blanc crème comme ça, c'est vraiment un nounours en manteau. Enfin vraiment trop trop beau. J'ai reposé la caméra pour pouvoir vous montrer les bijoux que je me suis commandé sur le site de Pretty Wire. Il y a toujours moins 20% quand il y a les soldes, Black Friday, tout ça. Et c'est vrai que... Ouh, ça c'est le livreur pour mes trucs Mango. Ben alors là pour le coup c'est du direct hein. Tata, petite commande Mango qui est donc bien arrivée. Donc je vais quand même vous montrer ben, les bijoux parce que j'ai déjà commencé. Et ensuite je vous montre ce qu'il y a là-dedans. Donc en premier j'ai commandé ces joncs. Alors comment vous montrer ça? Voilà, avec une petite, un petit empiècement là, avec un petit truc là, un petit soleil on dirait qui pend. Alors moi je pense que vous savez maintenant, j'adore tout ce qui est semainier, des petits joncs fins comme ça, j'aime bien l'accumulation en fait au niveau des bracelets. Et donc dans le lot il y en a qui sont fermés comme vous pouvez voir, comme ceux que j'ai déjà, mais il y en a aussi qui sont juste à mettre comme ça en fait, qui sont ouverts voyez. Mais voilà, je pense que ça tient quand même très très bien. Ouais, en plus oh, c'est joli le petit soleil là, ça change, ça donne un petit truc en plus dessus. Donc trop contente. Et en deuxième en fait, vous allez voir que c'est un autre semainier. Voilà, mais en fait j'ai beaucoup aimé la petite étoile qui est ici. Vous savez que je suis une fan de tout ce qui est étoile, tout ça. Et bah voilà, pour faire encore plus d'accumulation, vous voyez, hop, vous enfilez ça comme ça. Et je trouve ça vraiment trop trop beau et j'adore en avoir plein comme ça. Et j'ai encore pris une bague, donc vous savez que moi je suis pas très bague. J'ai du mal, vous voyez, là encore j'en ai pas. Mais... j'essaie quand même de temps en temps d'en porter et c'est vrai que ce modèle là je l'ai trouvé super beau, regardez-moi ça. Un espèce de losange comme ça avec une pierre au milieu, une pierre noire. Maintenant je vais donc déballer cette commande Mango. J'espère que vous êtes toujours là les amis parce que cette vidéo semble durer longtemps. En plus c'est vrai qu'en termes de haul j'en ai publié pas mal ces derniers temps. Mais je pense qu'il va plus y en avoir avant un bon moment parce que là j'ai vraiment acheté tout ce que je voulais acheter. Enfin voilà. Ah ouais c'est vrai, j'avais encore un pull, j'avais oublié. Bon bah écoutez, oh j'adore, je pensais pas qu'il serait aussi brillant en vrai. En fait c'est un pull asymétrique, vous savez que moi j'aime beaucoup tout ce qui est asymétrique, une manche seulement d'un côté tout ça. Et il y avait celui-là et il est donc brillant doré. C'est pas des paillettes mais c'est juste les fils en fait de la maille qui sont métallisés. C'est trop joli, je l'essaye après. Je vous montre d'abord les bijoux et la ceinture. Trop contente, alors j'en cherchais une nouvelle parce que j'ai des ceintures... enfin, je porte les mêmes depuis des siècles et je confirme, elle est vraiment jolie comme ça, toute noire en fait avec juste des espèces de petits clous, des petites chaînes, je sais pas trop comment vous expliquer sur les extrémités ici. Maintenant pour les colliers, j'adore, cette vidéo se transforme en unboxing, c'est n'importe quoi, mais au moins c'est du direct. Ah hein. Oh, trop beau. Oh, attends des jours. Bon là ça va trop rien rendre hein, parce qu'il y a des perles sur le pull, j'ai un collier en dessous. Mais juste pour vous montrer d'un peu plus près. Et j'en ai un deuxième qui est un peu plus simple je crois, mais de la même... voilà, aussi avec des maillons comme ça. Mais ouais c'est sympa aussi en fait, quand on met rien d'autre et que ça, je pense que ça peut faire très très classe. Oh là là, je suis fan de ce pull quoi.
j'adore. Regardez le collier avec, ça va super bien je trouve quand on porte que ça et des bracelets tout fins, bah, je trouve que ça jure pas du tout en fait. Là il est, je l'avais pas dit mais il est manche 3 quarts, hein, je pense que ça se voit. Ah j'adore en fait, je suis trop contente de l'avoir pris. Et le deuxième collier, pour vous montrer quand même porter ce que ça donne, c'est toujours mieux. Bah il est joli aussi en fait, hein. C'est le même délire mais en différent. J'en ai terminé pour ce try and haul, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas aussi les concours tous les jours sur Instagram, je le rappelle. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye.